center qu'on partage au niveau de 4 pays européens, donc l'Espagne, l'Italie, la France et la Pologne pour Aviva, qu'on gère en mode, on va dire, entre les équipes principalement polonaises et françaises sur la gestion de tout l'aspect infrastructure. On est en train de le rationaliser, de le réduire de taille pour effectivement avoir encore des effets sur les coûts de run. Par contre, on se met en position pour être, je dirais, cloud ready, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux. Vous avez parlé tout à l'heure d'évolution vers Linux, vers JBoss pour les serveurs d'application, vers PostgreSQL également pour les bases de données, pour que quand le moment sera venu, on puisse aussi bénéficier, mais je pense que ça, on le fera au niveau de l'échelle sur tout le groupe Aviva, de bénéficier de cloud privé qui, justement, il y a un appel d'offres qui est en cours au niveau du groupe Aviva, pour l'ensemble des pays Aviva, où on pourra bénéficier de ces opportunités. On est plus sur, d'ailleurs, cloud hybride, avec une partie publique, une partie privée.